Aujourd'hui, encore plus pour l'été, on joint l'utile à l'agréable. On explore le site pittoresque qu'est Bleu Lavande à Fitch Bay et on vous fait découvrir la féerie de la lavande. Jacob Deschaines, bonjour. Bienvenue à Estrie Plus. Bonjour. Ben Bleu Lavande, en fait, on est les premiers producteurs de lavande officinale au Canada. Donc, présentement, on compte 300 000 plantes de lavande. Et le projet a débuté en 1999. Par la suite, on a ouvert en 2004 au public. Et aujourd'hui, c'est sûr, on est les premiers producteurs de lavande officinale au Canada. Et on compte plus de 12 boutiques. Et on a également le site agro-touristique ici, où les gens peuvent venir visiter. Jacob, on est en plein champ, mais à part visiter, à part regarder les champs de lavande, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bien, il y a plusieurs activités qui s'offrent à vous. Entre autres, chaque jour, nous, on a une programmation différente. Donc, le lundi, par exemple, on a des concerts de musique classique. Le vendredi, c'est jazzé. On a une petite terrasse qu'on a vue tantôt. Donc, on va mettre de la musique avec ça, mettre une ambiance. Sinon aussi, bien, ça va à des activités de peintres. On a vu tantôt qu'il y avait des peintres qui exposaient. On va même à des activités botaniques. Donc, en apprendre plus aux gens sur la culture de la lavande s'ils veulent en cultiver chez eux. Donc, on touche un peu à toutes ces activités-là. Puis en plus, les gens peuvent apporter leur pique-nique et manger dans les champs, donc c'est une possibilité de rencontre de famille, ces choses-là. Bien, la féerie de la lavande, c'est ça. Donc ça, c'est on a tout condensé les activités que je viens de parler un peu. Donc c'est sur deux fins de semaine que ça s'étale. L'année passée, c'était une fin de semaine, mais juste pour vous donner une idée, il y avait eu 9000 personnes en une journée. Donc on s'est dit, on va y aller en deux fins de semaine. C'est ça, il y a autant d'activités pour les enfants que pour les adultes. Et ça, c'est juste avant que toutes les fleurs se fassent couper? Naturellement, la floraison, c'est tout le mois de juillet. Là, présentement, on est à la mi-juillet. C'est vraiment le plus beau de la saison. Et la récolte, ça va aller deuxième de août jusqu'à la mi-août, en général, dépendamment de la température. Donc, c'est le temps. C'est le temps, c'est vraiment, on est dedans. La féerie de la lavande prendra place le 23, 24 et 30, 31 juillet prochain, ici, à Bleu Lavande. Vous y serez charmés dès la première visite, comme nous on l'a été, à encore plus pour l'été.